Bonjour à tous les amis, c'est Bob Jumper, le méchant voisin. J'espère que vous allez bien. Écouter. Moi, ça me tient nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hello Neighbor Minecraft. Et je ne suis pas tout seul, bien entendu. Je suis accompagné de monsieur Oxylac, le gentil voisin. Bonjour, Oxy. Eh bien, ça y est, les amis, c'est Oxy. Comment vas-tu, Oxy? Très bien, et toi? Eh bien, ça va très bien, car les amis, aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle map. Hello Neighbor. Oh, voilà. Trop stylé. Elle est belle. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est pas moi qui l'ai faite, bien entendu, mais voilà. Elle est très belle. Voilà, je l'ai acheté comme ça. J'en avais un petit peu marre du monde normal. Je voulais un peu de neige. Tu vois, d'ailleurs, regarde dans les pieds, dans la neige. Donc, les amis, nouvelle maison, vraiment très stylée, est d'une version supérieure. Enfin, on est toujours en AC10, mais d'une version un peu plus supérieure. C'est-à-dire qu'au niveau des mods, il y a quelques petites nouveautés. Voilà, et ça donne ça. Donc, bah écoutez, j'ai très très hâte de voir ce que si notre cher ami Oxylac a aménagé dans le quartier, qui est d'ailleurs une belle maison, je trouve bien sympathique, tu vois. Est-ce que il va réussir à trouver notre secret? Voilà. Donc, eh ben écoute, mon ami, je vais chez moi. Oui. Toi, tu restes chez toi, c'est normal. Hein, donc, donc je te souhaite une bonne journée. Voilà. Il s'est même barré, quoi. Au moment où je me retourne, il était déjà plus là. Non, mais c'est tout. Chez moi, ouais, mais laisse tomber. Voilà. Mais c'est pas grave, je vais aménager quand même. Ça roule. Donc, maison génialissime, honnêtement. Tu me dis quand je peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Oui, tu peux y aller. C'est ça. Tu peux y aller. Voilà. Tout à fait. Ah, j'ai vu quelque chose qui me plaît guère. Bon, si ce n'est qu'un bug, espérons que ça le soit. J'ai un petit bug, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si reviendra bon. Tant pis. Il y avait un objet qui n'était pas. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien. Ok. Je sais pas ce que c'était, mais c'était bizarre. À mon avis, il a dû appuyer sur une plaque ou un truc comme ça. Alors, du coup, bon, on va voir un petit peu la salle. Ah, il y a un bouton. Ah, voilà, cool. Un bouton quoi? Attendez, qu'est-ce qu'il fait là? Il va trop vite là. Doucement. Hein. Faut pas aller trop vite non plus. Hein. Voilà, donc beaucoup de choses. À voir. Alors attends. Il y a un bouton bleu là dehors. Dessus, mais ça ne marche pas. Je peux pas appuyer dessus. Alors que je vois très bien les TNT. J'ai envie de les faire exploser, mais. Ouais. Ça marche pas si t'appuies dessus? Non, ça veut pas. Oh, c'est bizarre. Bon, on verra. C'est pas grave. On n'en est pas encore là. Tu vois, donc. Ah, c'est bon. Ce que j'ai prévu est toujours présent. D'ailleurs, je vais me mettre en game mode 1, ça te dérange pas. Enfin, histoire de ne pas avoir de, de soucis. Voilà. Ah non, tu préfères que je me mette? Bah, je reste en game mode 2, alors, tant pis. Non, mais c'est tout! C'est tout! Non, pas de problème. Pas de problème, je reste en game mode 2, tant pis. Okay, c'était pour moi avoir de petits soucis, mais bon. Pas de problème. Mais c'est bizarre, ouais, pour le bouton, par contre, hein, mais je regarderai. Pour le moment, ce n'est pas nécessaire d'utiliser ce bouton. Voilà. Okay. Donc, alors. Oh! Alors? Ah, tu m'as vu? Ah, bah non. Non? Ah! Bonjour, monsieur, voilà. Oh mon dieu. Et oui. En plus, je connais pas la maison. Mais je vais être gentil. Franchement, je vais être gentil. T'inquiète. Hein. C'était histoire de dire, elle avait soif. Mon épée avait soif. Donc, il faut bien, voilà, lui donner un petit peu de, voilà. Bon, moi, je te vois là, mais bon. Oh non. On va le laisser. T'aimes bien mon aquarium? Il est beau, hein? Ok. Ouais, c'est stylé. J'aime bien. On va le regarder. Il faut des clés de partout. Je comprends pas comment t'as fait pour descendre de là. Ah bah j'ai un raccourci moi. Ah. J'ai un raccourci. Et tu vas voir, il y a des trucs. J'espère que t'aimes bien les animaux. Oui, ça va. Ça dépend des animaux. Celui-là, il est herbivore, ça va. Ok. Ça va, elle est quand même assez petite. Oui, ça va. Ça, franchement, c'est pour ça. Faut réfléchir un peu. Bon, non, on va aller se balader un petit peu. Oh fuck. On va voir si tout va bien. Ouais, c'est ça, barre-toi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, tout est en. Tout bien. Ouais, j'étais bloqué avec un de mes pièges. Tout bien, tout est bien en place. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est vrai. J'ai tellement de protection dans cette maison que j'en oublie la carte. Alors, du coup, remettons-nous là. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle maison, hein? Bah ouais, grave. Mais du coup, là, je suis en train de tout réexplorer. Alors, franchement, c'est pas loin. Faut chercher à l'intérieur, quoi. Tranquille. Oui, j'imagine. À l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est pas l'extérieur. What the... Ok. Où est-ce que t'es?
Ouais, j'ai trouvé un coffre avec plein d'armes dedans. Ah, ça, ouais, non, faut pas prendre, non. Y a pas d'armes à feu dans utile pour réussir, je te rassure, non. Je me demande où est-ce qu'il est. J'espère qu'il glitch pas, hein. C'est ça qui me fait peur, parce que je connais pas la maison. Enfin, si, j'ai vraiment essayé de tout bloquer un maximum. Voilà, donc ça, il m'est obligé de l'avoir. Et d'ailleurs, si. Bien joué. Apparemment, le bouton a dû fonctionner. Le bouton a bien fonctionné, t'inquiète. Ah ouais ? C'est bon, ouais, ouais. Je t'expliquerai. Ah ouais ? Quand il sera à cet endroit-là, au moins... Mais il est où, là ? Je le vois pas. Attendez. Est-ce qu'il est... Oh, bah, je suis dans la maison, je me balade, mais... T'as toujours rien trouvé ? Je comprends pas, pour l'instant. Non, j'ai rien trouvé. Si pas je te de... dis tic-tac ! Les coffres et tout. Tic-tac, une horloge. Ah, enfin, je sais pas. Tic et tac, c'est aussi d'autres petites bestioles, là. C'est malin le truc de l'horloge. T'as trouvé? Oui, j'ai trouvé, mais je peux pas ouvrir le coffre. Ah bon? Attends. Ouais, alors attends, c'est peut-être le Game Mode 2 qui fait ça. Non, c'est. Ouais, bon, mettons en Game Mode 0 alors. Mais normalement, si tu peux ouvrir. Ouais, mais je suis en Game Mode 0, mais ça marche toujours pas. Ah, ouais, là par contre, normalement, alors, tu peux. J'ai l'impression, y a pas un bloc sur le dessus du coffre? Non, parce que j'ai réussi à l'ouvrir tout à l'heure. Ah, bah, alors c'est moi qui dois mal m'y prendre. Ouais. Ah! Ah! Ah bah voilà! Voilà! Et bah voilà! Allez, on va faire un tour. On va faire un tour. Où est-ce qu'il est? Il est parti se planquer. Peut-être pas les. Oh, il a ouvert ma porte de garage! Il a ouvert ma porte de garage! Oui! Ouais. On se balade pas comme ça chez moi. C'est clair? Ah! J'ai été tué par. Enfin, un requin. Ah il a un peu passé à travers le sol. Il était pas censé être là normalement. Il va remonter. Il se balade. Faut le laisser. Il se balade. Je l'entends nager en plus. Non, mais il va remonter. Il se balade un peu. Ok. C'est les joies de Minecraft. Il va revenir. Hein. Il va revenir au bout d'un moment. On a un requin en liberté dans cette maison, super. C'est mon chien privé. C'est mon nouveau toutou, tu vas voir. Mais normalement, je devrais peut-être le déplacer, hein, donc je vais voir où est-ce qu'il est, mais... Est-ce qu'il s'est remis à sa place? Il a pas l'air. Est-ce qu'il est... Il est mort? Ah non, je crois qu'il s'est remis à sa place. Je sais pas. Normalement j'ai un requin quelque part, mais bon, bah tant pis, hein. Écoute, un requin en liberté dans la maison, fais gaffe. Alors, on va voir un petit peu. Où est-ce qu'il est Monsieur Oxynac? Je crois que je suis perdu là. Ah, je l'ai vu mon requin. Je crois. Tu l'as vu ton requin? Ouais, moi je cherche le requin et le voisin, je cherche plein de... J'ai perdu personne, plein de personnes moi. Pour ça, ok. Ah, ah oui, il m'a sauvé la vie. Non. Ok, c'est bon les amis. J'ai donc remis, écoutez, le requin en question dans l'eau, voilà. Donc... il n'était pas censé arriver là. Donc voilà, donc merci Oxy, m'a aidé un petit peu. Bon, il l'a pas vu, hein, mais bon, voilà. Il a utilisé une technique aussi, voilà. Donc, bon, t'es au courant que maintenant il y a un requin, hein, très bien. Bon. Voilà. Ça, je suis au courant. Voilà, hein, donc fais attention ici. Nous, on préfère les requins, tu vois. On veut pas de chien, nous rien, non, croquettes trop cher. On donne des êtres humains, c'est plus rapide. Comme ça, ça fait aussi chien de garde, mais surpuissant, voilà. Tu vois. T'es sûr de pas vouloir rentrer dans la maison, tu vois. Donc, alors, voyons un petit peu où se cache un petit peu Oxylac. À moins que je l'ai pas vu quand même, hein. Il a même pas touché à mon assiette dans la salle à manger, donc ça passe. L'assiette dans la salle à manger, ouais. Va pas voir, hein. Enfin, si, tu peux, j'ai envie de dire. Mais où est-ce qu'il est? On va aller se balader, hein. Je sais pas ce que vous en dites, hein, moi ça me plaît bien tout ça. Allez, tiens, on va se balader un petit peu. Oh, je crois entendre quelque chose. Mon dieu. On va fermer toutes ces portes de la maison. La maison est close, l'ami. Ok, la porte de garage est fermée. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait de voisin. Ou alors il est vraiment bien flanqué, hein. Ouais, bon. Allez, on va passer là. Tac. Oh, il y a une porte.
continue son petit tour. Ouverte, ok. Allez, on s'en va. Allez. Tu devrais faire attention. Ça serait dommage de voir de se faire envoyer au requin. Alors, on va regarder un petit peu. Il continue. Il continue. Alors, je sais pas s'il a trouvé ce que je pense. Ah, j'aurais dû aller voir. Je sais pas. Je ne sais pas, j'aurais dû aller voir. Ça veut dire qu'il va aller voir ça. Non, pas encore. Je crois savoir où il est, c'est bon. Je sais où il galère. C'est bon, je sais. Il cherche quelque chose dans un endroit qui est assez petit. Bah, je sais pas si je... Bah oui, je cherche forcément quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah, bah je sais pas comment on fait pour avancer. C'est ce que je cherche, en fait. Une carte. Encore une. Hop, je viens de faire le micro-ondes en route. Non, mais à mon avis, là, il n'y a rien à choper ici. De toute façon, je suis bloqué. Ah. Alors, ça doit être là. On va vérifier un petit peu tout ça. J'ai entendu une échelle. Ok, ça, il l'a trouvé. Ok, t'as de la chance. Ah oui, parce que tu sais pas où j'en suis, là, au final. Ah ouais, si, si, je crois savoir où t'en es. Tu cherches autre chose. Je sais ce que tu cherches. Je cherche quoi? Ah, tu crois que je vais te dire? Donc, en fait, le coffre que t'as trouvé au loin, tu sais, dans le petit carré. Ouais. Et bah, c'est ça que t'as activé avec le bouton. Ah, voilà, okay. Ça débloquait un piston collant qui bloquait un bloc et que du coup, t'as rappuyé. Donc, j'ai bien fait de faire le tour de la maison au début. C'est ça. Ok. Non, mais là, je cherche la clé numéro 3. Ah, qu'est-ce qui te dit que c'est une clé? bah, parce que j'en ai besoin pour ouvrir une porte. Ouais, on va aller voir ça. On va aller voir si elle est toujours là. On va voir un truc ici. Ouais, on va aller voir ça. Attendez. Hop. Ouais. Attendez, je regarde parce qu'il y a personne qui me regarde. On va fermer toutes les portes là. Voilà. Hop. Ça aussi. Voilà. Attendez. Je l'entends tout ouvrir là. C'est bon. Fermer les portes de la cuisine. Hop. On regarde quand même s'il est pas dans le coin. Et on y va. Allez. Ok, il se planque bien, j'avoue. Et puis je cours pas trop, je suis sympa quand même. Donc, mais parce que bon, il est quand même mort la fois dernière. Hein. J'ai été violent. Hein. Et là, on va aller en douceur. C'est une nouvelle maison. Ok. Alors, est-ce qu'il va trouver? Je me demande t'es s'il va. T'es rentré dans ta salle là? T'es reparti? Oui. Mon requin est mort encore. C'est pas possible. Où est-ce qu'il est? Il est où, Rex? Ah, il est là. Ok, c'est bon. Je ne sais pas si la clé 3 est ici, j'ai pas l'impression. Il galère trop! Vu des bruits que j'ai entendus. Ah, peut-être que quelque chose est bien caché! Ben, je pense, oui, effectivement. Un truc que t'aimes bien, peut-être. Un truc que t'aimes bien faire. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Okay. C'est bon, t'as pigé? On va devoir cliquer partout. J'ai failli quitter Minecraft. Okay. Ah, tu peux, hein, mais ça sera considéré comme une défaite, hein, excuse-moi. Ça devrait être logique, ça, en plus, hein, mais bon. À force de le faire. Bien le tour des trucs. Ouais. Toujours rien. Ah, mais c'est peut-être là-bas, là. Il a toujours pas trouvé, quoi. Non, bah non. On va pas rester là-dedans. Je vois pas où est la logique. Attends. On va venir t'aider. Quoi? Non. Je vais me cacher. Non, je bouge pas. T'inquiète. J'ai pas bougé encore. Je switch plein de caméras. On va voir si je vois ce que je pense. Tu m'étonnes. J'espère te trouver un jour, tu vas voir. Oh. Non mais ça va aller? C'est chez moi ici! Ah mon... Non mais je savais pas que Je t'ai vu à la caméra, je t'ai vu monter. J'ai vu tes petits pieds!
J'ai vu tes petits pieds. Attention, on monte pas ici. J'ai trouvé à la fin, quoi. Oh, 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 oh. Oh non. Bon bah salut. Hein. Où est-ce qu'il est? Je suis en train d'essayer de faire des trucs en scred, là. On va voir un petit peu. Mes portes, elles ont un petit problème, il va falloir chercher un serrurier. Ok. Eh, hey, salut! Oh non! J'allais rentrer, hein, je t'ai vu! Non! Allez, j'arrête, on va le laisser avancer! Pinaise, je venais juste d'arriver! Allez, je te laisse tranquille, allez! Non, là, là, j'avoue, j'allais. Moi, j'allais revenir, hein, j'ai fait le tour de la maison, oh, je me balade! Je me balade! Bon, allez, on va le laisser venir un petit peu pour avancer un petit peu quand même! Ah, t'aimes bien mon aquarium? Tombe pas, hein, t'as Rex qui te regarde. Hein. T'as vu? En dessous. Tu l'as vu? Ah oui! Ok, salut Rex! Ouais. Enchanté de faire ta connaissance. Attention, hein, avec lui. Hein. Il a pas mangé depuis 10 jours. Enfin, si, techniquement, okay, il a mangé il y a quelques minutes, il m'a bouffé, mais bon. Alors, on va en parler. Oh! Vas-y, Rex! Oh, attaque! Non, Rex! Non, Rex. Bon, je te donne une vie supplémentaire, allez! Il t'en reste deux. Et je peux regarder le spectacle. Fourbe. Il est génial lui, hein, non? Ouais, super. Ça te plaît génial, ouais. Fais gaffe, hein, tombe pas trop bas de l'échelle. Hein. Ouh non, je serais toi, je ferais pas ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas prévu comme ça. Donc peut-être c'est faisable, attention. Hein. Je dis pas, mais je l'ai pas essayé comme ça. Alors, tu galères? Ouais. Moi je dis, y a moyen, c'est peut-être celle-là, mais bon, il faut quand même déjà réussir à passer de l'autre côté. Voilà, c'est ça. C'est ça le plus dur. Passer. Oh là 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 là, il me fait peur. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est pas de ce. Non, franchement, c'est pas de ce côté-là. Non, non, vraiment. Okay. Vraiment, vraiment. C'est ça, ça sera pour plus tard. Mais voilà, il faut essayer. Le jump est bien là. Et Rex, il est vraiment en dessous de toi, il mec. Suit de ouf, hein. C'est trop stylé. C'est génial. Ouh, bien joué. Il est libre. Yes. Oh là là, t'as vu, ça met la pression quand t'as un requin qui te regarde, là hein. Ouais, grave, hein. Bien joué, il est passé à l'étape supérieure qu'on va le laisser encore avancer un petit peu. Alors, ah, faut que je retrouve ma caméra. Non. Bibliothèque. Peut-être celle-là, attendez. Celle-là, non. C'était la 5, en fait. Voilà. Une chaise lounge. Ok. Alors. Okay. On va lui mettre un petit timer. Hein, 2 minutes. C'est bien. 2 minutes. Allez, pas analyser la stag, c'est quoi. Parti. 2 minutes. Je fais ça parce que non, c'est facile. Je sais même pas ce que je dois. Franchement, c'est facile. Facile. Franchement, je ça sais va. Même pas ce que je cherche. Ah bah, il y a forcément quelque chose de caché. Hein. J'ai pas mis. T'as pas remarqué que la porte là-bas elle était verrouillée par des planches? Elle est pas verrouillée la porte là. Non, pas celle-là, de l'autre côté, qui était où il y avait le requin. Ah oui, de l'autre côté. Oui. Et oui, ouais. Oui, exact. Donc dans tous les cas, de toute façon, c'est obligé que tu cherches quelque chose. On en est à 30 secondes! Là, non. Putain, c'est... Je donnerai un indice vers la fin. Ouh! Bien joué! Ok. Eh, celle-là, tu t'y attendais pas. Hein. Allez, on repasse de l'autre côté avec Rex. Qu'attends. Depuis tout à l'heure, il attend. Oh, tu manges au-dessus de lui. Attends, tu vas lui donner envie de manger. Oh, mec, il a failli te bouffer. Il a failli te bouffer. Hein. Il saute, hein, il saute. Il a envie. Allez, Rox. Regarde. Oh. Et en poussière, il a terminé. Non, mais c'est trop stylé. Non, c'est pas si. Allez, il ne reste plus qu'une vie, mon ami. Et ouais. Si, c'est stylé en plus. C'est stylé. Tiens. Bon, Rex. Ouais, il est dans son coin, Oh, non. Oh, il t'a pas vu. Il t'a pas vu. Oh.
Oui, oh, c'est chaud. Il est pas affamé pour l'instant, ça va. Non, c'est bon, il vient juste de manger, il est tranquille. Ouais. Il a, ça va pour le moment. Je te garantis pas qu'il restera calme. Ok. Bien joué. Ok. C'est tendu parce que je me cogne la tête à chaque fois. Celui-là il est chiant. Je l'ai essayé celui-là. Et... Oh, non. Non, ça va, il est pas. Il est pas affamé pour l'instant. Ça va. Tant mieux. Il est pas affamé. J'ai prévu le tir. Ah, je savais qu'il allait pas tout le temps attaquer. Hein. Parce que c'est comme ça. Heureusement, j'ai envie de dire. Ça va, oh, il gère. Gère la fougère. Oh, ah, oh là, dommage. Là, je vais le louper parce qu'en fait, je peux mieux sauter sur ce. Mais ça va, t'as pas, tu vois, t'es pas tout le temps en train de mourir. Donc c'est pour ça, il faut que ce soit un peu plus dur. Parce que là, clairement, t'es pas forcément obligé de mourir. Donc ça va, franchement. Mais celui-là, il est un peu spécial à prendre en truc, mais en main, mais. Il y a moyen. Oh là là. Il a de la chance que Rex, il a pas la dalle. Il a vraiment de la chance. Grave, parce que franchement. Ah, tu lui jettes de la bouffe. Il donne des clous et du bois, ça devrait lui remplir l'estomac pour un mais bon non moment. Mais non, mais non. Tout ça pour qu'il soit calmé, quoi. Tu vas l'énerver plus qu'autre chose, l'ami. Okay. Oh, bien joué. Oh, c'était beau. C'est beau. Bien joué. Bien joué, c'est beau. Et il lui reste une vie, hein, on va pas trop le taquiner de fou. Là. On est d'accord. Alors, je crois que dans les autres pièces... Ah oui, dans ces autres pièces-là. Alors là, pouf. Va-t-il trouver? Je me pose la question, mais nous, on va voir un petit peu tout ça. Donc, très bien. Donc, nous, normalement, moi, j'aurais voulu faire un espèce de passage, mais je l'ai pas fait. Ah, donc, je te laisse galérer un petit peu. Ah, je crois que Rex a faim. Ah, je crois que ça y est. Il s'est réveillé. Ouais, il s'est réveillé. Donc, ça veut dire que je ne peux pas te voir dans cette zone, mais par contre, si, je pense pouvoir faire quelque chose. Ok. On va aller fermer tout ça. Tac. Et voilà. Alors. Je sais absolument pas si c'est normal ce que je fais. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis rendu sur les toits. C'est normal ou pas? Oui. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Spatiale, là. C'est normal. Oui, c'est normal. Ok. Ça va. Franchement, GG. Hein. Je pensais pas. Des fois, tu m'impressionnes. Autant tu restes bloqué sur un truc facile, autant tu te débloques sur un truc difficile des fois. Okay. Bon, là, c'était pas dur, c'était une porte qui s'ouvrait direct, quoi. Oui, mais Alors, après... Il a raté quelque chose. C'est trop bon. C'est trop bon, qu'est-ce qu'il va faire? Si jamais tu tombes en bas, je peux te jurer que je te raterai pas. Parce que je suis chez toi, moi, hein, je te rappelle. T'es chez moi, là? Ouais, je suis là. Quoi? Je te regarde, t'inquiète. C'est de la triche, ça. Non, si tu tombes, t'es mort, hein. C'est parce que franchement, y a pas de raison. Oh bah non, bah alors. Là, t'es coincé, hein. Bah non. Ah, ça va. Il rate tellement des trucs depuis tout à l'heure. Oh là là. Allez, on met un timer. Ça le motive, les timers, il aime bien. Alors, t'es pas loin. T'es vraiment pas loin. T'es passé pratiquement devant. Le point le plus haut, l'ami. Allez, attention, 2 minutes, c'est parti. Ouais, ça me fait stresser. Ding, 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 ding. Le point le plus haut. Enfin, là où t'étais. Oh là là, pff, il va essayer de mourir. Mais non, mais moi je vais atteindre le point. Ah, le point le plus haut, ok. Ah. C'est là-haut. Ah, pas fort. Je sais pas. Ah, je sais pas. Si, c'est le truc en fer là. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Oh bien joué. Mais ouais, mais du coup, là, si je saute, tu vas me tuer, mais je sais de où c'est la clé numéro 5. Mais t'es pas obligé de sauter, Ah ouais, mais... Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Très bien. Je sais que c'est en bas, la clé numéro 5. Qu'est-ce que t'en sais? Bah parce que j'ai déjà essayé de déverrouiller la porte. Oh, il a déjà regardé. Très bien, ok. Ouais, j'avoue, pas mal. Bien pensé. Alors, on va voir un petit peu. Bah du coup, il va y aller direct. Il va quand même pas y aller direct. Attends, ah si, il a même été avec le... T'y es ou pas? Je sais pas. Non mais j'ai besoin de le savoir, vraiment. Oui, j'y suis. Ah, et bah GG, et bah la suite, ça sera dans le prochain épisode. Voilà. Attends,
Ok, c'est bon, voilà, bien joué. Oh, il y était pas. Et moi j'arrive, et normalement, voilà. On continue. Non, 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 reviens. Ah, ok. Non, 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 doucement, doucement. Oh, fais gaffe, je te tue. Voilà. Donc, les amis, écoutez, j'ai décidé. Je me suis encore fait emprisonner. De faire ça en deux épisodes parce que. Oui, tu t'es fait un peu emprisonner, entre guillemets, mais parce que l'aventure est plus longue comme ça. Oh, étant donné que c'est très très grand ici et que la vidéo sinon durerait 2 heures pour vous. Déjà que le Neighbor ça dure quand même un certain temps. Mais voilà, bien joué Oxy, tu as fait la première partie. J'aime beaucoup faire en fait faire ça comme le vrai le Neighbor, parce que là c'est vraiment la maison est très très grande et elle est très complète. Et pour le coup j'ai envie que ça fasse comme un autre niveau, parce que sinon au niveau des vies ça serait trop peu. Voilà, clairement. Et 10 vies ça serait abusé. Voilà, donc je préfère faire ça en deux parties, ça serait quand même beaucoup mieux. Voilà, donc GG Oxy. Si tu as réussi à infiltrer la cave de ma maison, tout comme dans le vrai le Neighbor, et la cave est un autre niveau, hein, bien sûr. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça t'a plu. Hein, je sais pas ce que tu peux te mettre en game mode 1 si tu veux ressortir par là-haut. Regarde, j'ai fait un trou tout là-haut. Voilà, si tu veux voir la maison. Voilà, donc, tu t'es très bien débrouillé. Tu as fait des énigmes qui étaient compliquées, entre guillemets, enfin plus ou moins compliquées, et que tu as bien trouvé. Ça y est. D'autres où t'as complètement galéré avec l'endroit où il y avait la cave, où il y avait la porte en Carpenter's Block. Tu n'as pas trouvé. Ouais, ben en fait j'étais un peu perdu au début parce qu'en plus je connaissais vraiment pas. Oui, voilà, maison. C'est pour ça que j'ai été doucement avec toi hein, quand même. Les blocs ne sont pas les mêmes qui sont utilisés dans les maisons de Hello Neighbor qu'on a d'habitude. C'est ça. Donc c'était perturbant, c'est sûr, mais faut s'adapter quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas voulu être trop violent, parce que là vraiment c'est. Je sais que oui, parce que c'est une nouvelle maison, bon, c'est pas forcément une excuse, mais parce que, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle version au niveau des mods. Voilà, donc il y a des motifs par rapport à ça, et du coup, ça peut être assez perturbateur de voir des objets, trop d'objets d'un coup que tu ne connais pas. Et là, la maison était assez complète, donc les yeux, ils sont un petit peu partout. Hein, Bah oui, voilà. C'est ça, il y a des trucs partout, il y a toujours des coffres à fouiller, Tout à fait. Bah, c'est pas comme. C'était pas comme la nouvelle maison que j'ai présentée il y a un moment de ça, maintenant, la grande, grande, immense, là, où elle était quasiment vide à l'intérieur. Et là, il y a beaucoup d'objets, et vu que c'est des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir, on se demande par exemple si on peut fouiller dans l'aquarium, si les minecarts qu'il y a sur les rails, on doit s'en servir, tous les coffres qui sont là, on doit s'en servir, parce qu'à la base, oui, c'est une map pour le solo, bien sûr. Et du coup, voilà. Du coup, bah écoute, bah, bien joué, tu t'en es sorti. Bon, normalement, t'aurais eu 5 vies, t'aurais été mort, mais bon. Ouais. On va dire que la CMV, voilà, elle était sympathique, c'était le bonus, voilà. C'était le vie bonus, donc voilà. Donc, t'as bien aimé le requin? Ah ouais, mais par contre, c'était... Heureusement qu'il s'est calmé une fois m'avoir tué, hein, parce que je serais mort au moins 10 fois. Bah ouais, bah j'aurais pensé que t'aurais été plus mort là-bas, voilà. Donc, mais ouais, c'était cool. Et bah écoutez, amis, on est... Félicitations. Bah merci, moi j'ai pas... Enfin, moi c'est surtout le créateur, après moi j'ai modifié beaucoup de choses, c'est vrai. Mais voilà, mais en tout cas, merci beaucoup les amis, merci Oxy, merci vraiment à tous. Et bah écoutez, d'avoir regardé cette vidéo, on espère vraiment que ça vous aura fait plaisir, qu'on change de maison un petit peu, histoire de modifier un petit peu tout ça, et de faire ça avec... d'autres aventures, bien entendu, comme là, on le verra dans la prochaine aventure avec la cave. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, que ce soit chez moi ou chez Oxy, ça nous ferait très plaisir, et d'aller voir les deux points de vue qui sont, bien sûr, comme vous le savez, totalement différents. Voilà, ça nous ferait très plaisir. Tout à fait, voilà. Et de vous abonner aux deux chaînes. Sur ce, les amis, c'était FlowJumper et Oxy, et on vous dit à très bientôt. Ciao!